Saviez-vous qu'on passe en moyenne 9,5 heures en position assise dans une journée? Oui, vous avez bien entendu, 9,5 heures. C'est assez effarant comme nombre d'heures. On a donc intérêt à bien se tenir. Je suis Dr. Dominique Dufour, chiropraticienne, et j'ai aidé au fil des années, au fil des 40 dernières années de ma pratique, j'ai aidé des milliers de patients à bien se tenir et à adopter donc les bonnes postures, les bons exercices pour faire en sorte qu'ils aient des résultats plus durables, plus exponentiels et plus bénéfiques au fil du temps. Donc, je vais vous démontrer aujourd'hui un exercice simple à faire, d'ailleurs qui me rappelle mes années à la petite école parce qu'on nous le faisait faire et c'est effectivement bénéfique pour plusieurs raisons. Parce que l'exercice va augmenter la circulation au niveau de la musculature du haut du dos, augmenter la mobilité des épaules et faire en sorte aussi de développer une bonne posture avec une bonne rétraction des épaules vers l'arrière. On va en même temps s'assurer que les omoplates sont bien serrées vers l'arrière. Alors pour ce faire, vous débutez avec les mains face, donc là je suis face à l'écran, comme ça ici, et on va faire 5 petits cercles dans ce sens, 5 moyens cercles, et ensuite 5 grands cercles. Et vous l'aurez deviné, vous allez repartir vos 5 grands cercles, ensuite vos 5 moyens cercles, pour finir avec 5 petits cercles. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez renverser donc vos mains pour que les pouces soient vers le bas. Donc ici, j'ai le dos de ma main face à vous, et je vais refaire mes 5 petits cercles, mes 5 moyens cercles, mes 5 grands cercles, et ensuite on repart dans le sens contraire, les grands, les moyens et les petits. Donc, un excellent exercice simple à faire qui va vous dégourdir le haut du dos, même vous allumer, vous rendre un peu plus réveillé pour continuer le travail que vous êtes peut-être en train de faire devant l'ordinateur ou encore plus important, simplement de corriger la posture et de bien développer une bonne circulation au niveau de la musculature. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et vous recevrez à chaque semaine des conseils, d'autres exercices pour faire en sorte que vous ayez vous aussi donc des postures et des exercices qui font en sorte que vous allez avoir une bonne santé musculaire et articulaire au fil du temps. C'est ce que je vous souhaite et au plaisir de vous retrouver au sein de ma communauté.